La campagne est engagée déjà depuis plusieurs semaines maintenant, après une période de flottement qui a été réelle, qui a précédé la conférence de presse au moment où François Fillon a répondu à l'ensemble des questions face à ces attaques et où tout a été dit et tout a été clairement dit. On observe que quand François Fillon est en déplacement, qu'on dit qu'il y a une hostilité à François Fillon, c'est 15-20 militants du Front de Gauche. Donc quand on fait campagne normalement. Puis parfois on est amené à s'expliquer, les gens sont en demande d'explication, ils ont l'impression qu'il y a quand même eu une machination derrière tout ça, une volonté d'abattre le candidat de la droite, donc on en parle et puis surtout on essaie de parler du programme, parce que nous avons un programme construit depuis longtemps, c'est pas le cas de nos adversaires, donc on essaie de parler du programme. La France Fillon a fait des propositions très claires en matière de santé, on a eu des propositions très courageuses en matière de sécurité, justice et lutte contre le terrorisme, et bientôt il va présenter le programme chiffré pour sa campagne électorale.